Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Prism. Donc, sans caméra, je vais vous expliquer ça vite fait. On n'est pas en stream déjà, c'est une vidéo que je recorde moi-même de mon côté. Parce que, bah, là, il n'y a pas de stream depuis un petit moment, tout simplement parce que je me suis blessé à l'œil, on va dire. En fait, bon, j'ai fait un malaise et je suis tombé, on va dire, sur l'arcade. Et du coup, bah, vous savez, quand on se blesse au niveau de l'arcade, la blessure descend petit à petit au niveau, autour de l'œil. Du coup, on dirait que j'ai pris... On dirait que j'ai un coquard à l'œil, quoi. Genre, on dirait que j'ai pris une grosse mandale dans la gueule. Et du coup, voilà. Du coup, je stream pas. Je repose mon œil un peu. Pour voir un peu comment ça évolue. Ça a l'air d'aller mieux. Je peux l'ouvrir à 100% maintenant. Mais bon, voilà. Du coup, je mets pas la cam pour éviter qu'on voit ma gueule défigurée. C'est là vraiment, l'œil il est violet, quoi. Autour, c'est violet, quoi. C'est violet rougeâtre, quoi. Il y a beaucoup de sang, on va dire. Mais voilà, quoi. Bon, alors on va pouvoir attaquer la ligue. Ok, il y a un prix à gauche. Ok, ok, ok. Tu as gagné le droit de choisir un Pokémon parmi les suivants. Poggers, Salamèche, Carapuce ou Pikachu. Pikachu. Ha, 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 ha. Salamèche. Pikachu. Ha, 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 ha. Non. Bon, bah, on a rien d'autre à faire. C'est bon, je peux commencer. Alors, est-ce que c'était le choix le plus approprié? Je pense que Dracaufeu était pas mal. Je pourrais remplacer Arcanin. On est full life. Alors, petit rappel, on peut pas utiliser d'objets pendant les combats, donc ça va être tendu. Va falloir vraiment jouer stratégique un peu pour le coup, surtout qu'ils sont niveau 60 si j'ai pas de bêtises minimum. Donc voilà. Par contre, tu peux utiliser des objets entre les combats. Est-ce que j'ai bon, les guérisons du coup on s'en fout vu que pas d'objets en combat. Bon, on verra. On va tenter comme ça, on va save quand même. On va tenter comme ça. Yes. Ah. Ok, c'était bugué. Voilà, ok, c'était bugué, je pouvais pas cliquer. Quel plaisir. Alors. Type glace, on a magnézone devant, c'est pas mal. On a Arcana. Qu'est-ce qu'on a? On a encore. Ouais non, Sablero va se faire exploser. Eviator, il a quoi comme attaque? Sur un malentendu, on peut faire quelques cascades, ça fait un peu de dégâts. Bon, on va tenter comme ça. Zwo, le bienvenu à la Ligue Pokémon, ma veur. Je me présente, je suis Olga. Allez, Zébardi. Zébardi. Bon, C4, Olga veut se battre. Oh, le petit plaisir de m'envoyer Lamantine en premier. Je pourrais te faire un gros tonnerre dans la bouche. Ah. Deuxième tonnerre. Oui, il est bon les gars. Ouais, cache-toi, cache-toi. Va te cacher. Parfait. Hop. Un gratos. Ah, lui, ça va être un peu plus chiant, mais on va tenter quand même. Ok, on est plus rapide. Ok, on s'en fout d'amnésie. Enfin, si... Ah, en vrai, c'est chiant. Ah, en vrai, c'est chiant. Musique épique, hein. On va rester sur tonnerre du coup vu que c'est notre attaque la plus puissante. Elle a augmenté de beaucoup en plus donc je pense pas qu'on... Y a... Ah si on finit quand même. J'avais des doutes. Y avait moyen qu'on le finisse pas. Ok, il a raté son blizzard. Parfait. Magnézone en 1v9 machine. Oh non, pas Requiem. C'est chiant Requiem, il va falloir que je change de Pokémon. On retente un tonnerre. Au pire, c'est pas grave en vrai s'il meurt. Ah ouais, bon là... Au pire, c'est pas très grave s'il meurt. On enverra quelqu'un d'autre. Il est paralysé, en plus c'est parfait. Ah, c'est chiant parce que Manizone aurait pu vraiment soloter tout le combat. Hop. Pas mal. Ah bah c'est fait. Bon, ok. Bon, Olga, c'était pas la plus compliquée.
Pour le coup, c'était pas elle la plus compliquée, quoi. Quelqu'un a besoin de soin. Bah, en fait, il y a juste une arbre à pelle à cramer, quoi. Bon, premier combat qui s'est vraiment plutôt bien passé. Hein. Hop, petite sauvegarde. Ça, c'est gratuit. Je reconnais pas. What? C'est quoi ça comme type? Je reconnais pas. Ah! Je suis Dorian. Et tu es mon premier adversaire. Je suis arrivé ici il y a 2 ans. Malheureusement, le vainqueur de l'an dernier n'avait pas réussi à passer Olga. Cette fois, c'est ma chance. Ah! Ah, c'est pas un perso de l'anime, lui? Peut-être. Poisson roi. Bah ouais, ok, c'est type O, du coup. Bah, Magnézone, amuse-toi encore une fois, quoi, du coup. Magnézone, c'est la fête pour lui. Il a raté en Palcorn. C'est pas de bêtises, en Palcorn, ça peut OS, non? Je sais plus. Attaque spéciale de Magnézone baisse beaucoup. Ah, toi, t'es chiant. Toi, t'es chiant. Ouais, va falloir que je crame quelques huiles, peut-être, hein, vu que je suis en train de spam, ouais. Je vais changer, je vais envoyer Florizarre après. Ah bah pas là du coup. Le x4 là il va faire plaisir. Même s'il m'a réduit mon... Ah oui. Ah oui. Ah je pensais... Bon il me l'avait réduit mais je pensais pas à ce point là quoi. Ah comme par hasard il fait l'âme d'air. Mais c'est une énorme blague. Aïe aïe aïe. Casse les pieds ça. Quelle chance. Mais au pire c'est pas grave. Maintenant j'ai Magnézone de qui est de nouveau là. Et de nouveau avec son attaque SP au maximum. Ah ça c'est un peu plus chiant. Ah non mais il a des attaques électriques. Quel débile. Ah ça va il a fait un no-hydro. Séisme. Ça devrait faire du x1. Ah non, ça fait du x2. Ok. Je pensais que ça ferait que du... Ok. Corbos qui devrait le finir, je pense. Je pense qu'il est plus rapide. Ouais, il est plus rapide. Allez, non dégâts, quoi. Oh, ça, forcément ça passe. C'est chiant qu'il n'y ait pas d'objet quand même. Ça fait un peu combat débile quoi. Ça fait force brute contre... Enfin c'est un peu débile. Machoui qui fait pas beaucoup de dégâts. Mais ça devrait passer. Bon voilà. Petite save. Qui soin. Ah oui surtout qu'il y a du monde qui en a besoin là. On en a pris plus cher, mais parce que ça s'est pas passé comme prévu, quoi. Mais j'aurais pu, je pense, faire tout le combat avec juste Magnézone et Florizarre, mais... Mais on a eu des petits problèmes. Genre, comme par hasard, il me fait lame d'air, quoi. Punaise. Agathe. Agathe. Bon, au pire, j'ai Corbos. On peut faire le ménage avec Corbos. J'ai Machou sur Léviator. On peut faire le ménage. Enfin, Agatha, ouais. Bah, tranche nue, hein. Voilà, pour le coup, ça va aller très vite. Hein. Ectoplasma, je crois que ça a beaucoup d'attaque SP, non? D'attaque, non? Je sais plus s'il tape en physique ou... Je crois qu'il tape en physique. Eh, la réponse était peut-être non. J'aurais dû faire tranche nue. Bon alors là par contre on va pas grid, on va envoyer Magnézone de suite. Prévention, ouais bon ça sert à rien, tu vas quand même prendre plutôt cher. Voilà. Luminocanon c'est du bonus. Coup de jus. Hop. Ça c'est pour que Corbos puisse... Est-ce que Corbos est plus rapide? Je sais plus. Non.
Oh, au 8 HP. Arbok, c'est chiant. Ouais, tu peux faire un roulement, ça me dérange pas. Parfait. Il est empoisonné, dommage. Ah bah c'est bon. Ça va, on se débrouille pas trop mal. Malgré le fait qu'on soit under level. Hop, poudre soin. Qu'est-ce qu'on avait encore? On a des poudres énergie qui traînent. Hop, 8 HP, c'est très important, 8 HP, c'est ce qui nous a permis de le garder en vie. Hop, herbe rappel, et voilà. Bon, en vrai, j'étais assez large, hein. J'avais encore Léviator, au pire qu'il y avait Machouille. Donc ça va. Pour le coup, pas trop de pression. Pitcher! Alors, Peter, par contre, ça va être un peu plus compliqué. Hein. Là, par contre, j'ai pas vraiment d'attaque très adaptée pour lui. Est-ce que j'ai pas une petite CT qui traîne? J'ai un petit laser glace. J'ai Arcanin qui est à colère, n'oublions pas. Ah là, j'ai pas envie. Hein. Après, je peux l'enlever surf. Je lui apprendrai plus tard. Ouais, ça va, je vais enlever surf. Comme ça, il a une attaque. Même si je crois que la plupart des Dracolos, de toute façon, au tonnerre, donc. Ou Fatal Foudre. Donc c'est chiant. On va tenter comme ça. Je te félicite pour être arrivé jusqu'ici, ma beurre. Je suis Peter, chef du conseil 4 de la ligue de Pokémon de Kanto. En tant que maître dracologue, je vais te le dire, mes Pokémon sont supérieurs aux tiens. Il est temps que tu sois témoin de leur puissance. Moi, Peter, accepte ton défi. Moi, Peter. Pourquoi tu parles de toi à la troisième personne? Melon. Ah, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Ah, c'est chiant. Mais ça passe quand même. Ah mais il va me faire séisme. Ah le gamin. Gamin. Bon. On va pas changer de Pokémon, ça sert à rien. Je peux lui faire chier, envoyer Léviator de suite. Ou alors j'envoie Florizarre. Non, alors gros par contre tu vas te calmer de suite. Tu vas te calmer de suite en fait. Voilà. Il renvoie tir nocif quand même, ok. Bah ça nettoie. Léviator contre Léviator. Alors Houston on a un problème. J'ai laser glace, ça peut être pas mal. Oh non, il a fait danse Draco. Oh yes, il est gelé. Ah oui, il y a encore le... Putain. Allez hop. Ok, il est encore gelé. Parce qu'on fait pas de dégâts, du coup... Machouille. Yes, il est encore gelé. Oh la chance. Pour une fois que j'ai de la chance sur les problèmes de statut. Laser glace. Ah, ça fait vraiment pas de dégâts, Léviator, hein, en attaque spé. Là, il y a moyen qu'il ait encore deux types dragons, du coup, je peux faire colère. Voilà, parfait. Ah, son colère était plus fort que le mien. Ah, oh, wesh, mais c'est abusé comme Pokémon quand même. Ah, bah là, c'est loose. Hein. Non, mais arrête avec tes colères, wesh, c'est grave! C'est débile comme Pokémon. Ouais, tu m'étonnes, c'est pas très efficace. Je juste full flash. Hein. Ah, du coup, il est plus confus. Bah, super, quel plaisir. J'ai baissé 3 fois sa précision, c'est pas mal. Oh, ça touche. Gros. Là, c'est loose, du coup, parce que j'ai quoi? J'ai coupé dans Slam, yes. Bah, je vais Alt F4, hein. Allez hop, c'est un Alt F4, on va pas perdre de temps. Hein.
Heureusement que j'ai save. Ok, donc ce qu'on va faire. En fait, son terrain il me fait chier. Son terrain il me fait giga chier. Et le problème c'est qu'il. Quand il voit Magnézone, il swap de suite sur Tyranocif. Mais en même temps, Magnézone c'est celui qui peut démonter le Terra. Mais le problème c'est que The Léviator, je pense pas qu'il tige one shot un Tyranocif. Ouais, on va essayer. Le problème c'est son Dracolos à la fin, il me faut Magnézone aussi pour Dracolos quoi. Parce qu'il peut tanker, il peut lui mettre un petit tonnerre dans la bouche, même si ça fera du x1. Ok, il a fait ultra laser. Oh. Garde Ptera, putain de merde. Ok. Ok, on va sacrifier Florizarre. On va sacrifier Florizarre. On lui baisse sa précision, c'est bonus. On tente, hein, on tente un coup. Peut-être une baisse de défense P, non ? Oh, il la touche alors je lui ai mis un flash dans la bouche. Ah, petite danse flash peut-être, s'il rate. Oh, il a raté. Oh, ça passe. Ptera du coup le finit. Mais Ptera on le démonte avec Léviator. Parfait. Draco c'est chiant. Draco est tout colère, ok. Ok, il reste que Draco et. Et le boss final Dracolos. Bon, là par contre c'est. Là c'est chiant. Là c'est le moment chiant. Il va sûrement. Est-ce qu'il va faire colère? Il fait colère. Petite paralysie, s'il vous plaît, putain. Cette attaque n'a plus de PP. Ah merde. Oh, mais j'ai pas de bol, en plus il touche quoi. Non mais gros, c'est grave. Oh la confusion, putain de merde. Ouais, vas-y, ça me saoule. Moi je fais séisme quoi. Putain, j'avais trop bien joué. Non, j'avais trop bien joué, c'est grave. Je me suis fait avoir par la confusion, quoi. Je l'avais démoli. Bon, on refait la même. Sablero, jure qu'il sert à rien. Il peut pas apprendre une attaque, ce con. Oh, jure qu'il est trop naze, ce Pokémon. La force, ce sera toujours mieux que... Ce sera toujours mieux que coupe. Peut-être qu'il fera des dégâts au moins avec force. Un peu plus en tout cas. Il peut pas prendre. Ah, il peut prendre ton broche, c'est pas mal ton broche. Et Ampleur se dégage. Ton broche, c'est pas mal. Ok. Bon, le problème c'est que le Ptera il me fera peut-être plus ultra laser quoi. Ah, il a deux switch sur Tyranocif, ok. Le pattern est un peu changé. C'est chiant parce que je crois qu'ils sont Tyranocif le one shot, mon. Mais c'est super. Je suis heureux. Ok, c'est un reset, on va pas perdre de temps. C'est un reset, genre. Même pas se casser les pieds. Putain. Non, l'autre, franchement, c'est j'ai trop la haine. J'ai trop la haine, genre, l'autre, elle passait crème. L'autre, c'était free win, genre, il était confus, c'était parfait. Il n'y a pas une confusion qui a touché au bon moment. Ça aurait été moi qui aurais été confus, j'aurais pas joué de la game. Toujours pareil.
Ok, bélier. Ok, là c'est bien. Là c'est pas mal, le pattern est pas mal. Je sais, inventaire non disponible. Alors ça c'est chiant. On refait pareil, on resacrifie Florizarre. Écosphère. Ok, on lui a baissé sa défense P, c'est pas mal. Du coup on va faire double danseur en fait. Ouf. Oh, il a 1 HP. Qui pourrait être plus rapide que lui? 106, 127. Comment ça, il a 132 de vitesse, Florizarre? Qui avait 127? Léviator. Est-ce que mon Léviator serait plus rapide que le sien? Ah mais non, mais il a fait... Ah, j'étais con. Ah, il a refait une danse Draco, bah c'est bon. Ça, c'est chiant. Même pas de petite... Même pas un petit gel. Dommage. Après, il a 2 HP, il est confus. Donc là, la stratégie a changé. Parfait. Là, cette fois, il y a une confusion qui touche, pour une fois. Ah merde, j'avais oublié qu'il était en vie, lui. J'avais oublié qu'il était en vie, merde. J'étais con, j'aurais dû garder les tonnerres pour... Bon, après, il fait que tête de fer, il est bugué. Ok, alors là, soyons stratégiques. Est-ce que je lui fais un strid au son ou est-ce que je lui fais un tonnerre? Oh, il booste ses stats, putain. Il est confus, il est confus. On peut tenter Arcana. En espérant qu'il se fasse pas one shot. La confusion, please. Ok. Eh ben voilà. Quand je me fais pas avoir par la confusion. Enfin, quand la confusion est un peu de mon côté. Ok, bon, on lui a enfin botté le derrière. Mais tout à l'heure, c'était tellement unlucky, quoi. On a un PV plus, j'aurais dû le cramer avant. Corbos. Vu que Sable Hero et Arcane Avantage. En fait, j'ai juste des herbes rappel à cramer. Et une huile aussi sur sur Arcana. Sur... ce qui est plus de lui. Tonnerre. Hop, save. Et voilà. Allez, ultime combat. C'est green. Est-ce qu'on laisse Léviator devant? Est-ce qu'on laisse Léviator devant? Ouais, pourquoi pas. Il est assez polyvalent. Alors comme ça, tu as réussi à arriver jusqu'ici. Pas mal, pas mal. Par contre, je t'arrête tout de suite. Je ne compte pas perdre. Tu sais, l'aventure me manque parfois. Sauver Canton du Conseil 4, combattre la Team Rocket ou capturer des Pokémon légendaires. Cela fait un moment que je suis au sommet de la Ligue Pokémon. Et même si Blue qui m'a laissé son titre... Et même si c'est Blue qui m'a laissé son titre, je pense que j'ai le potentiel. Maintenant que toutes les caméras sont braquées sur nous, je vais le prouver à tous. Allons-y. Alors, quelle caméra? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de caméras, là. Montre-nous ce que tu as appris pendant ton aventure à Kanto et ne te retiens pas parce que je suis une fille. C'est parti. Oh là là, les clichés. Musique. Musique. Ok. Nous n'avons pas de musique. Donc, on va chercher une musique épique. Alors, Red, Pokémon... Thème remix. Comme la dernière fois. Hop là. Je sais pas si ce sera assez fort ou trop fort. On adaptera. Danse Draco. Petite danse Draco. Ok, c'est trop fort. Petite cascade.
Merde. Ah mais il fait frénésie. Donc ça va du coup. Oh, mais on va les enchaîner avec juste Léviathan en fait. Ah, pas si y a ça. Alors bon, on est full cascade hein. On va en full cascade. Même si là je suis dans la merde à cause de son hypnose. Il a fait quoi, Myria Waves? C'est quoi cette attaque? Est-ce que tu pourrais te réveiller par contre? Ce serait cool. Voilà, merci. Non, parce que bon, dormir 10 tours, c'est chiant. Voilà, là c'est mieux. Hop, là on peut l'enchaîner. Nidoqueen, voilà. Hein. Je pense qu'on a assez monté nos stats. Voilà. Waouh. Bah c'était un combat très épique du coup. Oh, on l'a lavé Green. Avec un Pokémon. On l'a lavé. Waouh, c'était un combat intense. Yes, cascade, cascade, cascade. Mon premier combat en tant que maître est déjà le dernier. C'est trop bête. Bien joué ma vertu, tu es maintenant maître de la ligue de cette région. Alors, ça fait quel effet? Cool, non? Félicitations, ma beurre. Ouais, y a le prof qui arrive. Évidemment. Ah, bah, c'est pas trop tôt, professeur. Toutes mes excuses, mais Agatha n'a pas voulu me laisser passer. Alors, j'ai dû la battre en combat et courir pour venir. Comme je le disais, je te félicite pour ta victoire. Je regarderai la rediffusion sur PokéTube. Lol. Maintenant, suis-moi, je te prie. Bon bah je crois que je vais rentrer chez moi. Quoique, je vais plutôt aller mettre une raclée à Blue. Il m'a encore porté la poisse. Marrant ça. Nous nous trouvons au Panthéon des Dresseurs. C'est ici que les maîtres Pokémon de la région entrent dans l'histoire. Sur les murs, tu peux y voir toutes les photos des maîtres qui ont accompli le même parcours que toi. Hein? Ah oui, c'est bien moi sur celle-ci. C'est juste après ma victoire que j'ai commencé à développer le Pokédex. Mais aujourd'hui, c'est pour toi que nous sommes ici. Aujourd'hui, c'est toi qui vas aussi entrer dans la légende. Legendary. Comme Green et Blue l'ont fait avant toi, tu vas pouvoir enregistrer ton équipe dans la base de données du Panthéon. Argent, riche. Argent, deux points, faudrait marquer riche à la place. Là on a un capital de 200 000 minimum Poké Dollars si on compte tous les objets que j'ai sur moi, même plus. Ah. Ah. Pokémon capturé, nous ne te voyons plus. Léviathan est trop fat. Félicitations! Je sais pas pourquoi j'ai pris un accent anglais. Alors que c'est le mot est complètement en français. C'est le moment des crédits. C'est le moment où on n'entend plus rien. Donc on va peut-être monter le son de la musique. C'est là où vous n'entendez plus rien. Oui? En espérant que ce ne soit pas buggé. Non, ça va. Bon, ben voilà, du coup, c'est la fin entre guillemets de la ligue, mais il nous reste encore les îles à faire. Est-ce qu'on fera les îles? Aucune idée. Je pense, pourquoi pas. On a les petites îles à faire. Donc là, voilà. Donc là, vous avez tous les pixel artistes, blablabla, les musiques, etc. Bon, ils sont pas très nombreux hein, dans l'équipe mine de rien. Si vous regardez bien. Développement de RPG Maker XP. D'ailleurs, il le fait plus sous RPG Maker XP, donc je pense que même les crédits vont aller changer. Je crois pas. À quoi que.
Testeur de l'alpha. Regardez-moi ça. Avori, Euron, Anthony, Patou, tout le monde. Voilà, donc là, vous avez vu tous les pseudos, plus moi qui avons accès à cette version pour le moment. Et vous, pas encore. Nureyuri qui du coup fait SDK. Oh, avec la petite musique de la Team Rocket. Bon, y a du monde. Y a du monde qui travaille sur RPG Maker, sur les ressources et tout. Y a du monde. Sur RPG Maker, sur SDK, pardon. Et oui, du coup, il y a eu aussi tous les bêta-testeurs de PSDK, au passage. Même si, en soi, les créateurs, actuellement, sont aussi un peu des bêta-testeurs, hein, vu que... ils font du report de bugs. Bon, bah du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bah du coup je n'ai pas encore de date à vous donner pour le retour des streams et le retour vraiment des vidéos. Vu que bah j'attends que mon œil aille mieux pour le coup. J'espère que ce sera dans la semaine. Je travaille encore sur le Guess My Hello au passage. Juste voilà. Je travaille encore sur le Guess My Hello qui a été retardé du coup, vous doutez bien du coup. Mais sur ce voilà. J'espère que l'épisode vous aura plu. Des bisous, ciao tout le monde.